volcan. Regarde comment la route a été coupée. Voilà, c'est la route qui mène vers l'aéroport international de Goma. Regarde. Ok, on avance. Les gens continuent à fuir. La ville est vraiment déserte, comme vous le constatez. Regarde, les gens continuent à emballer leurs effets. Il y a ceux qui se déplacent vers le Rwanda. Des milliers et des milliers de passagers qui font également souvent des transports pour venir à la station qui était venu à Goma pour vient de retourner à Kinshasa via le Rwanda. En tout cas de rentrer, de retourner à Kinshasa. Et comme l'aéroport international de Goma est fermé, ils ont décidé de passer vers le Rwanda. Alors ici nous sommes précisément vers l'aéroport international de Goma. Voilà. Voilà, nous vous transmettons ces directs depuis Goma, précisément au rond-point qui ici. Ces gens que vous voyez ici, ils sont en train de fuir après le message du gouverneur annonçant que la population doit en tout cas évacuer. On a cité certains quartiers qui doivent évacuer. Et probablement, c'est tous les quartiers qui se déplacent vers tous les points. On a dit à cette population de. C'est dans le Nyiragongo, dans le territoire de Nyiragongo. Vous voyez comment les gens sont en train de fuir. Il y a des véhicules. Regarde, les gens qui montent, je vais zoomer un peu. Regarde. Certains sont à moto, d'autres sont à bord des jeeps, véhicules, camions, poussons. Mais en tout cas, c'est pas facile. Kinshasa a dépêché depuis la
engins que vous voyez au-dessus, les camions poussons partent vers il y a ceux qui partaient à Boutembo, ceux qui partaient à Beni, mais nous aussi bien sûr.